Ça tourne? Bah oui. Dans ce film, on va pas refaire le pitch parce que non, ça je le fais moi-même, vous sursautez beaucoup en tant que Laurent. C'est un truc qui caractériserait un peu le personnage, un gars qui sursaute. J'ai beaucoup sursauté dans le film. Je sais ouais. qu'il y a un moment où avec le coup du flingue, je sursaute. Ou vous êtes, c'est peut-être plus malin, on vous sent prêt à sursauter tout le temps parce que... Oui, bah parce qu'il est, il est, il est, il est, il est en situation de faute. Donc du coup, il est complètement parano. Et je gère très très vite. C'est-à-dire que c'est ce qui était marrant, je trouve, c'est que c'est le père cool. C'est le père compréhensif. Cool. Oui, non, mais il est cool. Il est là, il est détendu, il a un rapport complice avec les enfants. On sent qu'il ne met pas des règles trop raides, etc. Donc on se dit, a priori, c'est lui qui est le sympa. Mmh. Et puis finalement, bah, il est tellement cool que. Avec les enfants, qu'il finit par être trop cool, par être un peu trop cool et se taper la fille de son pote. C'est un rôle. Moi, en tant peut-être qu'adulte, enfin, j'ai 45 ans, j'ai deux filles. Ouais. Alors, on présente ça comme une comédie. Moi, j'ai mangé mon fauteuil ou celui du devant pendant une bonne heure et demie. À partir du moment où je sais, jusque c'est un rôle difficile à jouer, à incarner cette espèce de tension. Alors, il y a des moments un peu plus rigolos, mais quand même, il se dit pas grand-chose souvent et tout est dans votre attitude complètement. Mmh. Écoutez, moi, je ne vois pas de rôle difficile à jouer. C'est-à-dire que, par définition, les rôles, ils sont ludiques. Ludiques. Ludiques, ouais. Moi, je pense que c'est vraiment dans le côté ludique qu'on se révèle le plus. Et finalement, notre boulot, c'est aussi de se révéler. Quel que soit le rôle. Quel que soit le rôle. Passer de Mesrine à Kirill dans le film de Cronenberg, où oui, vous oui. devez toujours avoir un... Quoi? Ou un irréversible de Noé. Il y a des choses où vous dites c'est bon, après, ludique. C'est ludique, c'est toujours ludique, ça c'est sûr. Après, il y a des choses, il y a des jeux plus fatigants que d'autres. Vous parlez d'irréversible. Irréversible était très fatigant à tourner. Mentalement, Sophie ? C'est des longues prises, c'est des prises de 30-40 minutes. On en fait plein dans la journée. On est tout le temps en impro. Donc ça veut dire qu'il faut fournir, vous voyez. Donc il faut être très très à l'écoute. Et à un moment, c'est juste un effort de concentration qui... Et puis d'énergie beaucoup, parce que le personnage de Irréversible, en l'occurrence, était quand même très très survolté. Et du coup, il fallait tenir cette énergie. Et est-ce que, par exemple, bon, on est à 20 ans, je pense, de Vince dans La Haine. Ici, Laurent, il reste quoi de ce côté de Vincent Cassel, survolté, qu'on sent toujours prêt à exploser? J'en sais rien. Vous savez pas? Mais je suis toujours investi d'une énergie assez dévorante, je pourrais dire. Là, je suis assis, je vous regarde. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas une caméra, je serais sûrement debout. Bah, on peut se faire ça debout, si vous voulez. Non, mais non, ça va être compliqué à cadrer. Je vous écoute. Et je pense que Richer, qui vous connaît bien quand même, parce qu'après ce diptyque puis ça, dit que vous êtes très un acteur très instinctif. C'est vrai ça? Bah, j'arrive même pas à imaginer que ça puisse être possible autrement. Je vous disais que c'était de se révéler, d'être acteur. Je crois qu'il y a un truc où je ne crois pas qu'en passant par la case réflexion, on puisse se révéler. C'est-à-dire que on parle d'animalité, on parle de physicalité, mais c'est-à-dire que dans la vie, on est tout le temps en train de réagir de manière instinctive, dans l'existence, je veux dire. Des fois, on a honte de soi, on dit des trucs qu'on n'aurait pas voulu, on est là, on n'arrive plus à parler parce qu'on est en face de quelqu'un qui vous impressionne. Donc on est constamment dans un espèce de truc où en fait, on cache ce qu'on est, on essaye d'être le mieux de ce qu'on voudrait être, on est bon. Et du coup, tout ça passe rarement par la réflexion. Il y avait un prof de théâtre il y avait longtemps qui me disait « quand tu réfléchis, t'es chiant ». Et c'est vrai qu'un mec qui réfléchit, ça ressemble à un autre mec qui réfléchit. Quelqu'un qui est en réaction et en réactivité au monde qui l'entoure tout le temps, et donc de manière épidermique, et donc par extension, dirons-nous, instinctive, j'ai l'impression que c'est plus intéressant, tout simplement. Ici, Laurent, qui, à nouveau, c'est peut-être moi qui parle de mon âge et de ma situation familiale où je me suis retrouvé, j'étais vraiment super mal. Moi aussi, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc je pense que vous avez une fille ou en tout cas, ou peut-être même. Moi, j'ai deux filles et j'ai 48 ans, donc je suis à peu près dans votre situation. On parle souvent d'acteurs qui défendent des rôles. Est-ce que ça vous parle, cette idée de défendre ce type qu'on pourrait, à un moment du film, considérer comme vraiment un gros con, un gros salopard, et à un autre moment, un type juste humain? Mais moi, c'est-à-dire que j'ai même pas besoin de le défendre parce que je ne les juge pas, mes personnages. Quel qu'il soit? Non, j'ai du mal. Il y a des moments où je dis, tiens, ça, je ne l'aurais pas fait, ça, je ne l'aurais pas fait autrement, etc. Mais j'essaie de regarder tout ça avec un petit peu de distance. Et ce qui arrive à ce mec, ça arrive tout le temps. Pas forcément avec la copine, la fille de son pote, mais je veux dire, on est tout le temps en train de faire des choses que la morale récuse. Et pourtant, bah, on continue à vivre, et ça ne veut pas dire qu'on est les derniers des salauds.
Je crois qu'on fait un peu tous comme on peut avec ce qu'on est, c'est-à-dire avec nos pulsions, avec nos incapacités, et puis voilà. C'est peut-être moi qui projette en tant que spectateur, mais J'espère. oui, c'est déjà pas mal, hein. C'est beaucoup. Moi, Merci. j'ai pas fini, hein. J'ai Je vous encore en une prie. question quand même. Mais justement, par rapport à ce film, on a envie d'imaginer que peut-être vous choisissez des rôles pour donner des réponses ou en tout cas poser des questions. C'est le cas dans votre vie à vous, que ce soit la vie d'acteur ou vie d'homme? Écoutez, je comprends très bien ce que vous voulez dire et je trouve que c'est une question très intéressante, mais je ne crois pas que ça se passe de manière consciente. C'est-à-dire qu'en fait, on réagit à ce qui nous parle et puis on se retrouve dans des situations, dans des films qui sont souvent. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas comment se passe le processus. Est-ce que tout d'un coup. Parce que quand on est pris par quelque chose dans sa vie, c'est ce qu'on voit partout autour de soi. C'est-à-dire que. Vous êtes dans une déception amoureuse, disons, et vous allez lire n'importe quoi, et tout va vous ramener à cette déception amoureuse. Une musique, une Une chanson. musique, une chanson, un enfant dans la rue, un chewing-gum collé par terre. Et donc, oui, j'ai l'impression qu'en fait, finalement, on accepte des films, et même indépendamment des sujets et des personnages, c'est comme si on les ramenait à nos préoccupations du moment, en fait. Ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas de la réflexion, je dis pas, tiens. Je vais faire un film sur parce que j'ai des filles, machin, tout. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc c'est pas En comme tout un cas pour plan, moi, ouais. ouais. C'est pas comme un plan de carrière ou un plan Non. de thérapie, parce que je sais qu'on utilise souvent ce terme un peu à outrance, mais est-ce qu'aujourd'hui, le Vincent Cassel acteur et le Vincent Cassel homme se dit finalement les films que j'ai faits, parce que y a quand même si il y a des trucs plus Non, il légers, commence à en rappeler quelques-uns, ouais. ça vous a appris beaucoup de choses? Ouais. Moi, je me suis, en fait, je sais, pour sans faire de grandes phrases et tout, mais j'ai l'impression de m'être découvert et de m'être créé mon identité d'homme aussi à travers mon boulot. Est-ce qu'il y a un souvenir d'un film qui vous a, je sais pas, qui vous a vraiment construit ou après vous dites putain, ça vraiment, ça m'a amené? Ben, Ou chacun? la haine tout simplement, c'est-à-dire que j'ai eu la sensation en faisant la haine, parce que j'étais traumatisé à l'idée d'avoir un rôle aussi loin de moi déjà. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que j'avais la pression à ce moment de le tourner ce film. Mais. Une fois que le film est sorti, une fois que le succès est arrivé, je me suis dit, mais alors, tous ces moments de ma vie où j'avais l'impression d'être inutile, où j'avais l'impression de perdre mon temps, où je faisais des culpabilités parce que j'étais en train de traîner très tard alors que j'avais des trucs à faire le matin, sans ces moments-là, je n'aurais jamais pu jouer Vince. Et c'est là où j'ai compris que je me suis dit qu'en fait, un acteur travaille tout le temps. Ou ne travaille jamais, c'est comme vous voulez. Travailler dans le bonheur, en tout cas, c'est votre cas. Il travaille dans l'expérimentation de la vie, et c'est l'observation, etc. C'est-à-dire que n'importe quel moment, assis dans un coin, à regarder ce qui se passe autour de vous, à respirer une ambiance, à rêver sur une femme qui passe, fait que, en fait, tout ça va vous servir un jour comme acteur. En fait, quand on est acteur, c'est comme dans le poulet, tout est bon. Non, c'est le cochon d'ailleurs, C'est le pardon, cochon. désolé. Dans le jambon, dans Moi, le je préfère cochon. poulet, mais bon. Moi, le poulet aussi. Ouais. Et alors donc, par exemple, si là, aujourd'hui, on est en 2015, donc ce film sort, un moment d'égarement, est-ce qu'il y a un truc qui vous restera dans ce film complexe? On verra quand mes filles auront 18 ans. Je pourrais vous en parler à ce moment-là. Pour le moment, je me dis, mais non, moi je suis pas comme ça. Enfin, je suis pas comme ça. Oui, non, oui, évidemment, je suis pas comme ça. Je me taperai pas des filles de cet âge-là, Surtout pas celle des copains. surtout si c'est les filles de mes amis. Je me dis que je ne réagirai jamais comme le personnage qu'interprète François. Mais en même temps, je sais aussi qu'il faut être confronté aux situations pour savoir de quel bois on est fait. Il y a un truc que moi je retiens, que je trouve vraiment beau. Je sais pas si vous en interview ou Richer ou Cluzet, ou c'est peut-être dans le. Non, c'est en tout cas c'est une leçon du film, c'est qu'on fait avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. C'est un truc qu'on peut comprendre à un certain âge et pas avant. Je crois que quand on est plus jeune, on est beaucoup plus exigeant avec soi-même et avec les autres aussi. Du coup, on porte des jugements un peu hâtifs sur les attitudes de chacun, etc. Et puis après, quand on s'est rendu compte que soi-même, des fois, on est un peu comme un handicapé face à la vie et qu'il y a des trucs qu'on aurait voulu faire autrement, et puis qu'on est obligé de se pardonner soi-même. Parce que là, on peut avoir été faible, lâche, grossier, j'en Con. sais rien, con, tout simplement. Et là, tout d'un coup, ben, on est obligé d'avoir un petit peu d'indulgence par rapport à soi-même. Et forcément, quand on commence à être un petit peu plus indulgent avec soi-même, si on est de bonne composition, on est un peu plus indulgent avec les autres aussi. Avant qu'il ne s'en aille, on ne peut pas faire de spoil. Moi, j'ai trouvé cette fin absolument
magique parce qu'il se dit pas grand-chose et en même temps il se dit tout. C'est ce que je pense tout cinéaste essaye d'accomplir dans un film à un moment donné. Il y a une scène qui vous a paru plus compliquée ou dont vous êtes plus fier dans ce film, où il y a quand même plein de scènes très compliquées, j'ai l'impression, parce que sur le fil. J'aime beaucoup la scène de l'aveu. J'aime beaucoup la scène de l'aveu parce qu'on a beaucoup parlé de cette séquence. Et puis au fur et à mesure qu'on tournait le film, on était là, on disait, mais il y a un truc qui déconnait dans la manière dont c'était écrit, qui marchait pas. Et moi, j'ai jamais cru à cette histoire d'amour entre cet homme et cette jeune fille. Dans le film original, c'était ça. Il lui disait, C'était je plus qu'un moment l'aime, des je gars, pars moi. avec elle, j'aime ta fille. C'était ça le happy end du film. Et moi, je me suis toujours dit, mais non. Si vraiment j'ai mon meilleur ami qui sort avec ma femme, avec ma fille, et qui tout d'un coup me dit comme excuse qu'il est amoureux d'elle, je lui mets mon poing dans la gueule. Et effectivement, c'est ce qu'on a fini par faire dans le script. Mais là où je suis très fier, c'est que cette séquence, il y avait une question de lumière avec le soleil qui couchait. Il y avait un sanglier qui devait passer juste au moment où François Cluzet baisse son revolver à la place de le tuer et se retourne vers moi. Et il y avait un truc d'émotion à jouer. Ça faisait beaucoup. J'ai fait des pieds et des mains pour qu'ils mettent deux caméras. Je lui ai dit, s'il te plaît, mets deux caméras parce que les sangliers, c'est un enfer. Ils Les font ce animaux qu'ils et les veulent. bébés, c'est toujours une Voilà. catastrophe. Et en fait, la première prise, c'était bonne. J'ai dit, mais c'est incroyable, carrément. Il a tourné la tête, clac, le sanglier est passé, j'ai fait mon aveu, il m'a sauté dessus. C'était, mais magique. Donc, alors que c'est l'art de l'illusion, tout ce qu'on sait, le cinéma, il y a des moments, comme quand on fait un disque, je me suis toujours posé la question, quand on écrit le single et qu'on l'enregistre, où on sait qu'on est en état de grâce ou c'est que après au montage? Non, je crois que c'est un peu difficile de dire. Ce serait vraiment très prétentieux de dire j'étais en état de grâce ce jour-là. Non, ou les éléments. Ouais, mais disons qu'il y a des moments où les choses fonctionnent, ouais. Sur des trucs assez compliqués. Des fois, je parle pas particulièrement de ce film-là. Mais des fois, on a des trucs sur le papier, on est là, on fait, oh là, putain, ça va être une journée horrible. Et puis tout d'un coup, pim pam poum, ça se met en place, c'est génial. Et puis d'autres jours, on est là, on fait, oh là, tranquille aujourd'hui. Et Et puis en bam. fait, on arrive sur le plateau et ça prend des plombes, tout devient difficile. C'est beaucoup de monde sur un plateau. C'est beaucoup de monde. Et du coup, bah, quand des fois il y a un manque de synchronisme, les choses prennent des proportions ridicules. Et puis de temps en temps, quand ça marche ensemble, bah, il y a de la grâce, il y a de la grâce, on peut le dire, ouais, c'est vrai. Ce qui veut dire de votre côté en tant qu'acteur ou quand vous réalisez même, est-ce que ça demande du lâcher prise ou justement l'inverse? Beaucoup de lâcher prise. Moi, je pense que c'est avant tout, c'est pour ça tout à l'heure, on parlait de. C'était peut-être pas avec vous, c'était peut-être dans la pièce à côté, excusez-moi, mais. Ah bravo, Ouais, je sais, bah, merci. excusez-moi. Vous étiez tellement bien avec les cheveux bruns tout à l'heure. Bon, ça va, je vous laisse aller. Et il se trouve que des fois, on. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Sur le lâcher prise ou Oui. justement le pas lâcher prise. Le lâcher prise ou pas le lâcher prise, il y a tellement de choses à dire sur le lâcher prise et le pas lâcher prise. Mais j'ai oublié ce que c'était quand même. Ben c'est parce que je crois que c'est à nouveau Richer qui dit, pour lui qui est, je pense, un réal, enfin, ça se voit, en tout cas, peut-être plus dans Mesrine où c'est vraiment des plans super calculés. Mais là aussi, hein, en fait, hein, Oui, mais ça se sent moins, ce qui est peut-être preuve que c'est encore plus il s'est mis au réussi. diapason de la comédie. Voilà. C'est-à-dire qu'il a fait passer sa mise en scène derrière la situation. Alors qu'il y a des plans dans Mesrine où la mise en scène prend le dessus, C'est de parce la que c'est de l'action. virtuosité. C'est de l'action pure et simple, donc il faut que ça soit orchestré et chorégraphié. Là, il est obligé de se mettre au diapason des acteurs, comment ça marche, des actrices, bien sûr. Parce qu'il dit 50% de mon boulot, il est fait forcément, puisqu'il traîne son film depuis, ou il le pousse, ou il le tire, je sais pas, depuis autant d'années, 50% se fait avant le plateau. J'imagine que vous, si c'est dans le lâcher-prise, il y a aussi du boulot qui est fait avant, mais beaucoup se fait sur le moment, dans l'instinct. Ah, moi, puisqu'on parle de pourcentage, je pense que 90% de l'acteur, ça se passe dans l'instant. Le boulot de l'acteur, c'est être dans l'instant. On peut avoir un mec qui n'a rien foutu avant. Si le mec a une capacité à être dans l'instant présent et à avoir une réactivité à ce qui l'entoure, n'importe quoi, de manière sensible, il sera toujours intéressant à regarder. Vous avez eu des... Après, ouais. Pardon. Non, allez-y. Alors que le contraire, le mec a bossé comme un fou, qui a l'accent parfait, etc. Mais s'il n'est pas dans le moment et que la situation n'est pas vécue, s'il ne se passe pas quelque chose au moment où ça tourne, On s'emmerde. on s'en fout, surtout. Oui, on s'emmerde, on s'en fout, enfin ça n'a aucun intérêt. Vous avez eu un ou deux modèles, vous avez dit plutôt celui-là, parce qu'on parle toujours de... Je sais pas, ça peut être Ventura, ça peut être aussi De Niro, des acteurs dont vous dites, ouah, celui-là, il n'a pas beaucoup bossé, mais les fois où il a bossé, c'était vraiment nickel. Non, mais c'est-à-dire que déjà la notion de travail est un peu abstraite pour moi. C'est-à-dire que, encore une fois, je vous dis, je parle beaucoup de l'aspect ludique. Quand je dis ludique, c'est-à-dire qu'il faut savoir jouer. Jouer, c'est prendre un risque. C'est-à-dire on a le risque de perdre. Donc on se renvoie, des fois on commence une phrase, on ne sait pas comment on va la terminer. Et le risque, il est là, en fait. Le risque, il est. En fait, le risque de l'acteur, c'est le ridicule. Mais le ridicule ne tue pas, donc tout va bien.
J'ai juste, parce qu'il est, tant qu'il n'est pas là, j'ai une question de fan de base, mais Black Swan, quand même. Cette scène avec, où vous êtes dedans, je pense, avec le miroir. C'était un film avec énormément de trucage. Ça se sentait sur le plateau, c'était difficile. Non. Non, parce qu'en fait, vous savez, c'est un peu, ça, c'est cette génération de réalisateurs. Je pense à Darren, bien sûr, mais celui qui est très très fort là-dedans aussi, c'est Gaspard Noé. C'est-à-dire que les films sont truffés De d'effets plans spéciaux. séquences, de trucs super Non, mais complets. d'effets spéciaux. Mais on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, il participe juste à la prestidigitation, au truc, qui fait que. Mais il n'y a rien de spectaculaire. Peut-être que dans le film de Gaspard Irréversible, il y avait. Il y a quoi? Il y a. Non, dans Black Swan, il y a un moment, elle devient un oiseau, etc. Donc ça, c'est des choses un petit peu plus visuellement évidentes que c'est fait avec des effets spéciaux. Mais après, il y a 50 milliards de trucs qui ne se voient pas, des retimings de trucs, je sais Oui, ou pas. bien le plan où elle danse face à cet énorme miroir, Il et n'y a on se dit pas. forcément où est la caméra? Et la caméra, elle Vous est. savez? La caméra? Ouais. Oui, elle est effacée. Image par image. Mais non, mais aujourd'hui, il y a des. Comment on appelle ça? Il suffit de déterminer Un point de tracking. un point de tracking, et après, le truc, il fait, pour ainsi dire, la majeure partie du boulot. Mais non, je pense à Irréversible. Irréversible, au moment du viol, la scène où le mec revient derrière, on l'a retimé, parce que c'était plus intéressant qu'il apparaisse et que ce mec soit lâche au fond du cadre à ce moment-là. Quand elle prend des coups dans la gueule, les chocs sont augmentés après coup. Le sang qui sort de sa bouche n'existait pas. La bite du violeur est une N'existait bite pas. rajoutée ensuite, etc. Donc, ce ne sont que des choses qui sont pratiquement invisibles en tant qu'effets spéciaux, mais qui rajoutent en fait au réalisme de la scène. Lafayette, ce sera votre prochain. On en est où? On peut Je ne sais savoir? pas, c'est un film, c'est en fait, c'est un lourd projet. Je crois que c'est un peu le film de la vie de Jean-François. Il rêve de faire ce film parce que il est féru d'histoire et particulièrement de cette époque-là de la France. J'espère qu'il le fera un jour, j'espère que je ne serai pas trop vieux pour le jouer, que le Il le moment où il fera le qu'avec fera, vous? non, je ne sais pas, il le fera. Je pense que c'est un film qui est très important pour lui, il mettra le temps dont il aura besoin, puis il le fera avec le mec qui sera le mieux au moment où le film se fera. Si je suis toujours dans les cordes, je le ferai avec plaisir. Et si c'est pas moi, bah, je ferai Danton, il était plus vieux. Après Gérard. Gérard. Oui, après Gérard, c'est vrai. Ouais, merci, je pense que vous devez y aller. Sauf si vous avez une blague à D'accord. raconter ou une Non, cascade ou quoi. non, non. Encore, peut-être pas blague. Je suis pas blague? Ouais. Pas Si, là. j'aime bien les blagues. C'est quoi la dernière que j'ai entendue? Oh non, c'est trop long. Non, elle est nulle. Elle est Non, trop c'est pas salace. ça, c'est qu'elle est longue. Ouais, Ouais. on a plus de 2 minutes. Vous en avez une bonne pour me Dommage. raconter? Oui, j'en avais une bonne, mais c'était quoi? Oh putain, c'est Ah horrible. non, si, j'en connais une. Ah, allez-y. Comment est-ce qu'on reconnaît une actrice belge? Oula. Bah ouais, j'en profite. C'est celle qui sort avec le scénariste. Salut!